bientôt.
de chasse, en fait. C'est dommage de devoir descendre les bugs beaux. J'ai vu trois beaux bugs. J'ai pu en filmer juste deux. Puis je m'en veux parce que j'ai regardé la séquence du Hightower, puis il aurait dû tomber. Là. C'est une expérience en arrière de la caméra qui... Faites en sorte qu'il n'y a pas de flèche qui est partie, là, mais... J'ai au moins trois shots à 40 mètres avant qu'il se rende à la bête puis qu'il disparaisse en arrière des femelles. L'expérience va rentrer à grande vitesse. C'est dommage, par exemple, parce qu'au Québec, on n'a pas 22 chances, surtout pas quand t'es à l'arc. On n'a pas 22 chances si t'es pas mature. On va espérer que les 5-6 prochains jours, la température devrait être bonne, donc les bugs semblent être actifs. Je vois pas pourquoi qu'on n'aurait pas d'autres occasions là, d'ici la fin de la semaine. Donc, dans une demi-heure, je vois à peu près. Descendre. Je dois être en mesure de le faire le tour des caméras vite vite avant d'avoir quitté. Je vais pas regarder ça depuis qu'on est parti en Illinois, donc ça fait un petit peu plus que deux semaines. On devrait nous aligner pas mal pour le restant de la semaine. On va savoir comment qu'on va chasser ces bugs-là. 14 novembre aujourd'hui. Je dirais que c'est une journée pour il fait un ressenti moins vrai. Des vents avec des rafales de 30 km/h, ça attend bien, on est bien placé, on l'a direct en face. Mais il fait froid, les chaleurs devraient être actifs. Shooter qui est dans le secteur ici, on l'appelle les G1, les G1 Crush. Un 8 points de 4,5, pas un super panache, mais un gros chevreuil. C'est mon target en fait, ici actuellement. Il a passé. En fait, on l'a levé tantôt sans le savoir, là, c'est en relevant une caméra. Il a passé 30 secondes devant la caméra avant qu'on passe avec le camion. On en a profité avec le camion, faire le tour avec la neige, faire le tour de la terre au complet pour voir où est-ce que ça devait rouler plus. Avec les traces fraîches, définitivement le côté ouest de la terre. Donc en face de nous, on est super bien placé avec l'avant, c'est vraiment là que ça roule le plus. Je vais espérer qu'il rentre dans le champ. Le bug était là.
saison 2018 se termine aussi vite qu'elle est arrivée. J'ai eu une super belle saison. J'ai fait des choix que j'étais assez fier. J'ai laissé passer des super beaux bucks. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire l'année prochaine. J'ai hâte de voir ce que le I-8 va faire aussi également l'année prochaine. Puis le 8 large, pour vrai, j'ai eu une super belle saison. Je regrette absolument pas de ne pas avoir tiré. Ça va juste me remplir d'espoir encore pour la saison 2019 là, qui s'en vient. J'espère pouvoir les revoir. Comme j'ai dit plus tôt, habituellement, 80 % des bucks qu'on laisse passer, on les revoit. Donc, si au moins il y en a deux, trois de ceux-là, je peux vous garantir que cette année, ils vont être sur la liste. C'est garanti qu'ils vont avoir 4,5 cette année à l'automne. Puis, ça va juste faire une histoire un petit peu plus longue avec une page de plus qui va être à tourner puis à compléter en espérant cette année.